Apporter de la valeur ajoutée par la réalisation des biens et des services, tel est l'objectif de l'économie de production qui consiste à transformer les facteurs de production, notamment les matières premières, les produits intermédiaires, la main-d'œuvre, l'énergie, etc. Son importance peut s'appréhender à plusieurs niveaux, le plus significatif étant la réduction considérable de la pauvreté par l'investissement dans les secteurs porteurs, tels les forêts, l'agriculture, l'élevage et pêche, mais aussi les unités de transformation. Selon quelques données, par exemple, le Congo regorge environ 10 millions d'hectares de terres cultivables, dont 2% sont à peine exploités. De même qu'il présente d'immenses pâturages pour la production du petit et gros bétail, sans oublier la pêche continentale qui fournit plus de 80% de produits d'eau douce. Cette diversification de la production des biens qui ne dit pas son nom serait mieux soutenue par la formation de la main-d'œuvre pour valoriser le savoir. Ainsi donc, promouvoir l'investissement dans la production apporterait plus de valeur ajoutée par l'augmentation des biens de bonne qualité sur le marché.